Fenêtre sur le monde vous invite cette semaine en Iran avec mes deux invités, Maître Ardavan Amiraslani et Gil Miraheli. Ardavan Amiraslani, bonjour. Vous êtes Bonjour. avocat, vous êtes né à Téhéran, vous habitez désormais en France, vous avez partie de vos activités. Gil Miraheli, vous êtes directeur du journal Causeur. Et nous allons parler de l'Iran, qui est un des rares pays au monde qui est multimillénaire, puisque derrière l'Iran, il y a aussi la Perse, qui nous renvoie notamment à la période antique. Et puis, évidemment, une fois que nous aurons abordé les sujets historiques, nous pourrons parler de l'Iran aujourd'hui dans la géopolitique du monde, dans sa région, les relations avec les différents voisins, l'Arabie Saoudite, Israël, la Russie, et puis également la position géopolitique de l'Iran. Est-ce que l'Iran veut pour elle, est-ce qu'elle veut pour la région et peut-être aussi pour le monde musulman? Quelques questions d'abord historiques. L'Iran, c'est un nom qui est récent. La Perse, c'est un nom beaucoup plus ancien. On a là un pays qui est multimillénaire, qui est déjà présent à l'époque des Grecs, avec Alexandre le Grand et bien avant. Est-ce que cette importance historique, cette tradition historique se retrouve aujourd'hui en Iran, alors que le pays a changé, notamment d'un point de vue religieux, d'un point de vue culturel également? Alors vous savez, les Iraniens vivent dans le temps. Ils sont profondément conscients de leur identité, de leur histoire, de leur passé et du présent. Vous avez dit que l'Iran est un mot assez récent. En fait, historiquement, les Iraniens se qualifient toujours en tant qu'Iraniens. Donc ce qui est récent, en fait, c'est la notion de Perse, qui est l'expression utilisée par l'Occident pour qualifier l'Iran. Mais les Iraniens sont toujours qualifiés comme Iraniens. Iran vient de l'expression Ariana, lumière des Ariens. Donc les Iraniens vivent dans le temps et dans l'espace. Je dirais que c'est probablement la seule nation sur Terre aujourd'hui qui vit de manière continue, sans discontinuité, à l'intérieur de sa frontière actuelle depuis des millénaires, en tant qu'État souverain. Donc c'est un pays un peu particulier. Et le peuple iranien, d'où vient-il à l'origine? Alors, le peuple iranien, si vous voulez, c'est un mélange d'un certain nombre de peuples, de Perses par exemple, c'était une tribu qui était installée dans la région. Avant, il y avait les Mèdes qui sont persécutés par les Kurdes d'aujourd'hui. Le peuple iranien s'est bâti autour de la pensée civilisationnelle de l'Iran, de la culture iranienne. Quand on regarde aujourd'hui la composition démographique et sociologique de l'Iran, on voit qu'en Iran, nous avons des persanophones, des turcophones, des azerbaïdjanais par millions, des turkmènes, des arabes, des baloutches, mais toutes ces minorités, toutes ces communautés se retrouvent dans la définition de l'iranité, qui est la puissance omniprésente de la culture iranienne. Et on a une présence, une confrontation, des échanges avec l'Occident assez tôt. Hérodote en parle dans ses histoires. Alexandre le Grand combat les Perses et gagne, et conquiert une partie de la Perse. Dans ces échanges, est-ce que l'Iran a repris des éléments de l'Occident, a donné aussi à l'Occident certains éléments politiques? Bien sûr. D'ailleurs, vous utilisez les expressions indispensables pour la compréhension de la notion de l'Occident et de l'Iran. L'Occident a découvert que c'était l'Occident au contact de l'Iran. Parce qu'Hérodote, qui était à l'époque un ressortissant de l'Empire perse, a consacré sa vie à rédiger, en fait, autour des guerres qui ont opposé les Grecs aux Iraniens, aux Perses. C'est-à-dire, l'Occident, à travers la Grèce, s'est rendu compte que ce n'était pas l'Orient parce qu'ils ont vu qu'ils étaient différents des Iraniens qu'ils combattaient. D'ailleurs, l'Occident s'est défini au contact de l'Iran. Pareillement, quand vous regardez la Bible, dans l'Ancien Testament, dans la Torah, la nation la plus ancienne qui existe et qui est citée, c'est le peuple iranien. Peuple iranien où vous avez un de ses prêtres, Melchizedek, qu'Abraham rencontre, qu'il qualifie de véritable envoyé de Dieu. Vous avez le livre d'Esther, où la première fois où les Juifs ont échappé à un pogrom. Vous avez le seul goy qui est qualifié de Messie dans l'Ancien Testament, dans la Torah, qui est Kourosh, Cyrus, qui a affranchi les Juifs de l'esclavage en Babylonie et qui leur a rendu les trésors du Temple, la Ménorah, l'Arche d'Alliance, et qui leur a permis de construire le deuxième Temple. Puis la confrontation avec les Arabes, 7e siècle, l'arrivée de l'islam. L'arrivée des Arabes en Iran, c'est une invasion. C'est dans les années, au début du 7e siècle, 632, la bataille de la Qadisiyya, où les Arabes ont envahi l'Iran.
ont envahi l'Iran et ils ont mis 150 ans pour convaincre les Iraniens, si j'ose dire, sous la force de l'épée, de changer de religion. D'ailleurs, les Iraniens ont fini par devenir le seul peuple musulman sunnite de l'époque avec un clergé. D'ailleurs, ils ont trouvé les moyens pour inventer leur propre religion, qui est la religion chiite, qui est une religion aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, différente de celle des sunnites. Les sunnites considèrent les chiites, d'ailleurs, comme des hérétiques, et qui y ont introduit des notions de la Perse profonde, de la Perse pré-islamique. Alors justement, ces notions pour comprendre l'islam sont importantes, la distinction entre sunnites et chiites. Qu'est-ce qui différencie l'islam chiite, donc qui est essentiellement présent en Iran, également en Azerbaïdjan, et puis quelques présences aussi en Irak. Qu'est-ce qui différencie le chiisme du sunnisme dans la manière de penser l'islam, de le vivre également? Alors je dirais que le chiisme n'existe que là où existait l'Empire perse, c'est-à-dire l'Iran actuel, l'Irak, l'Azerbaïdjan, les Alaouis en Turquie, les Alaouites en Syrie, les chiites qui sont majoritaires par exemple au Bahreïn, 20% de la population pakistanaise qui est chiite et quelques dizaines de millions de chiites en Inde, donc là où était présent l'Empire perse. Ce qui les distingue, en fait, c'est théoriquement un débat doctrinal sur la succession du prophète de l'islam. Les chiites considèrent que le prophète de l'islam a désigné son successeur en la personne de son premier compagnon, son gendre Ali, alors que les sunnites considèrent que ce n'est pas le cas, il n'a désigné personne, et qu'en fait la direction de la communauté croyante de l'Oumma doit suivre, et devait suivre, les règles de succession tribale que l'on conserve par exemple aujourd'hui en Arabie Saoudite à peu près. Ensuite, parce qu'il y a un débat sur qui a légitimement succédé à la personne du prophète, il y a toute une série d'écoles de droit qui ont été créées à travers les imams chiites, il y en a 12 pour le duodécime en particulier dans la tradition majoritaire iranienne, qui ont apporté avec eux un autre regard sur l'interprétation de la loi, des préceptes de l'islam, des traditions attribuées aux prophètes. Le chiisme aujourd'hui est probablement l'école de droit la plus moderne au sein de l'islam, toutes sectes confondues. Et pourtant, alors si on avance dans l'histoire, il y a la révolution de 1979, l'arrivée au pouvoir de l'Ayatollah Khomeini. Aujourd'hui, quand on pense à l'Iran, à la manière dont l'islam est pratiqué, on a, du moins en Occident, plutôt une vision d'un islam un petit peu rétrograde, voire violent, plus que d'une vision moderne. Vous savez, vous avez sûrement raison, parce qu'on est quand même dans une situation où le port du foulard est obligatoire, et en matière de droit des personnes, c'est une forme de charia islamique qui prévaut. Mais globalement, quand vous regardez l'Iran, vous voyez quand même un pays qui a une forme de démocratie, où le résultat des élections ne sont pas connus à l'avance, où les femmes sont élues et éligibles et ont le droit de vote, occupent des fonctions ministérielles et d'élus et de députés. On ne peut pas comparer, si vous voulez, les libertés sociales qui existent en Iran, malgré les restrictions incontestables par rapport au mode de vie occidental, par rapport aux pays arabes, par exemple l'Arabie Saoudite. C'est incomparable. Donc je pense que l'Iran, malgré les restrictions aujourd'hui que le pays connaît, c'est quand même la seule théocratie au monde. C'est un pays qui, dans sa façon d'être, dans sa façon de traiter les libertés publiques, est beaucoup plus magnanime que la tradition wahhabite saoudienne, par exemple. Comment fonctionne le pouvoir iranien? Parce qu'il y a une imbrication entre le pouvoir religieux d'un côté, le pouvoir politique. Qui a le véritable pouvoir? Qui décide réellement en Iran? C'est un peu un système, je dirais, particulier. Pourquoi? Parce que vous avez la totalité de pouvoir réel, c'est-à-dire la direction des armées, des forces publiques, des médias, de la justice, des affaires étrangères qui sont concentrées entre les mains d'un homme qui s'appelle le guide de la révolution, l'Ayatollah Khamenei, qui lui n'a pas été élu. Et vous avez un président de la République qui est élu au suffrage universel à l'issue d'un scrutin uninominal à deux tours, qui est élu, mais qui en fait, au mieux, peut s'apparenter à un premier ministre de la 4e République. Guil Mirayli, dans cette région qui est assez tumultueuse, l'Iran, par rapport à ses voisins, est-ce que vous pensez que c'est un facteur peut être un facteur de stabilisation, notamment par l'arc chiite, ou c'est essentiellement un facteur de déstabilisation? On le voit, par exemple, il y a la guerre au Yémen, on pourra y revenir. Il y a aussi la question du Liban. Ça peut être vu, en tout cas, comme un pays qui est plutôt facteur de trouble. Bon, il y a la longue, la moyenne et la courte histoire. Tout d'abord, comme on vient d'entendre,
l'Iran, la Perse, et dans cette région, elle est une puissance, parfois une superpuissance pendant des générations. Être un facteur de stabilité ou d'instabilité, c'est une question subjective. Mais l'Iran est là, c'était souvent une grande nation, souvent une puissance militaire importante, qui se comporte en tant que telle. Donc pour prendre l'histoire moins longue, cet État, cet empire, prend une sorte de récré de l'histoire dans les années 1820, notamment vers le nord. L'Empire russe s'impose dans le Caucase, toute en série d'événements, on ne va pas entrer dans le détail, font que il y a un vide qui dure jusqu'à les années, disons, 1950, avec différents hauts et bas, mais ce n'est pas un acteur très important pendant presque 130-120 ans. En revanche, c'est aussi la période pendant laquelle on trouve des gisements importants de pétrole. Donc l'importance de ce territoire est énorme, mais il y a une sorte de vide, politique, géopolitique. Donc il y a des constants qui sont dans la durée, puisqu'on parle des relations entre Israël et les Émirats depuis quelques jours. Rappelons que, par exemple, l'Iran a pris trois îles que les Émirats réclament, qui sont dans les détroits d'Hormuz. Donc il y a l'île d'Abu Moussa, et j'ai oublié les noms des autres deux îles. Et juste pour démontrer à quel point les choses changent, quand les Iraniens, à l'époque de Shah, envoient des hélicoptères avec des commandos pour prendre ces trois îles, leur meilleur ami dans la région, c'est Israël. Et l'Émirat venait, c'était quelques semaines avant leur indépendance, après une sorte d'occupation, appelons-le comme on veut, britannique. Aujourd'hui, quand Israël renoue avec les Émiratis sont toujours les adversaires de l'Iran, mais cette fois-ci, ils trouvent Israël face à eux. Donc je pense que ça, ces manèges de ces dernières 50 ans expliquent un petit peu comment c'est une sorte de jeu de 19e siècle de puissance, de plus en plus, entre guillemets, normalisé. Ceci étant dit, ce qui est important, c'est que depuis la révolution iranienne, depuis 1979, au-delà de jeux géopolitiques de pouvoir qui n'est ni légitime ni illégitime, c'est juste comme ça, c'est une puissance, elle a sa place dans sa région, elle a ses intérêts, ses ambitions, sa manière de se voir et de se vivre en tant que grand pays, il y a une dimension idéologique très forte depuis 1979. Et là aussi, les relations avec Israël et aussi avec l'Arabie saoudite sont un bon exemple. Par rapport à Israël, non seulement il n'y a pas de contentieux matériels, il n'y avait jamais des guerres, pas de territoires occupés. De jour au lendemain, des alliés proches sont devenus les pires ennemis, au point où on peut difficilement parler, même avec les Palestiniens, c'est plus facile de parler parce qu'on sait de quoi on parle. Les Palestiniens ne demandent pas l'élimination de l'État d'Israël, la disparition de l'État d'Israël, ils demandent un certain nombre de choses qu'on peut accepter ou pas, mais qu'on peut lister sur un... Que vaut l'Iran d'Israël ? Que vaut l'Iran d'Israël ? Qu'est-ce qu'Israël pourrait faire de raisonnable ou d'irraisonnable pour contenter, pour qu'un premier ministre israélien puisse serrer la main de guide spirituel de l'Iran ? Rien. Donc il y a quelque chose ici qui échappe un petit peu disons, à un jeu géopolitique, entre guillemets, normal. Je pense et j'espère que, puisque fondamentalement, ce sont deux pays qui n'ont pas de véritable contagieux, ce sont deux sociétés qui, pour des raisons qui étaient mentionnées, que je suis tout à fait d'accord, sont probablement les deux sociétés les plus proches au Moyen-Orient, parce que même les femmes en tchador ont une marge de manœuvre que des femmes en mini-jupe dans certains pays arabes n'ont pas. C'est curieux, mais c'est comme ça. Notamment en termes d'éducation, il y a un nombre de femmes diplômées d'école d'ingénieurs qui est l'un des plus importants de la région. C'est une véritable nation, contrairement à beaucoup de membres de la Ligue arabe, où
disons, la coagulation ou la création d'une véritable nation qui dépasse tribus, appartenances religieuses, ethniques, etc., n'est pas encore complètement faite. Donc l'Iran, c'est une véritable nation. Ce n'est pas une démocratie libérale, mais c'est toute une démocratie. C'est-à-dire, la souveraineté du peuple est bien ancrée dans la culture. Donc après, cette société peut plus facilement devenir en démocratie libérale qu'une société où il n'y a pas de nation. Et donc la notion de la souveraineté du peuple, on voit aujourd'hui l'ordalie, la souffrance de Liban. De quoi souffre le Liban fondamentalement ? Le fait qu'il n'y a pas de nation, le fait que des groupes de personnes ne sont pas arrivés à créer une appartenance qui dépasse les intérêts particuliers pour servir un intérêt général. En Iran, il n'y a pas ce problème-là. Donc moi, je crois et j'espère que la parenthèse idéologique ouverte en 1979 va un jour se refermer et qu'il y a un problème entre un régime avec une logique et un pays ou d'autres pays, mais surtout avec Israël. Je pense que c'est aujourd'hui le problème le plus difficile à résoudre, mais qui sera du jour au lendemain le plus facile à résoudre. Quelles sont les causes ou les raisons qui ont amené la révolution de 1979, le renversement du Shah? Ça s'est fait de manière très rapide, comme souvent les révolutions, et on a l'impression d'être passé, d'ailleurs c'est pas qu'une impression, d'un pays très pro-occidental, très américanisé ou très aligné sur les États-Unis, et du jour au lendemain, un pays qui brûle le drapeau américain, qui prend en otage des Américains à l'ambassade des États-Unis et qui devient l'un des adversaires les plus farouches des États-Unis. On peut difficilement appréhender la révolution de 1979 sans faire référence, ça a été rappelé, à ce qui s'est passé en Iran en 1953. L'Iran a vu arriver au pouvoir un gouvernement laïque, démocratiquement élu, le gouvernement du docteur Mossadegh. Ce gouvernement a été renversé à l'issue d'un coup d'État organisé et financé par les Américains et les Anglais, à travers des agents américains placés au sein de l'ambassade des États-Unis à Téhéran. C'est ce qui explique historiquement le pourquoi de l'occupation de l'ambassade américaine. La raison de la révolution, ou les raisons de la révolution, à mon sens, sont assez simples. C'est la volonté du régime impérial de moderniser le pays avec la vitesse grand V, mépriser les véritables centres de pouvoir en Iran, qui est une société traditionnelle quand même. À l'époque, ça l'a été, ça l'est encore, malgré son niveau d'éducation, le clergé, les grands propriétaires terriens, le bazar. Vouloir les remplacer par d'autres centres de pouvoir, chose que les réseaux historiques n'ont pas accepté. Une lutte de pouvoir s'est enchaînée et le régime impérial a craché parce que dépourvu de base populaire nationale véritable. La révolution iranienne, on peut aimer ou ne pas aimer, mais il y avait une base nationale, une révolution populaire. Si vous voulez, on peut encore une fois difficilement comprendre le rôle de l'Iran dans sa région sans se dire qu'il y a un siècle, à peu près, aucun des pays qui entourent l'Iran n'existait. Aucun. Là, vous avez dit que les Émirats arabes unis sont les amis de l'Iran. Enfin, les Émirats arabes unis, si vous voulez, c'est 1971-72, c'est 800 000 personnes. On ne va pas comparer ça avec l'Iran, si vous voulez. Incomparable. Les trois îles qui ont été mentionnées, Abu Moussa, Petit Toumb, Grand Toumb, sont les îles que les Iraniens ont occupées à l'issue d'une transaction que le régime impérial a régularisée avec les Anglais. En échange de cette occupation, l'Iran a abandonné sa prétention sur le Bahreïn, qui est devenu un État indépendant derrière. L'Iran, c'est un pays, les Iraniens sont un peuple qui ont une vision longue de l'histoire. C'est vrai, la question israélienne a été mentionnée. Je dirais que quand on parle des Émirats arabes unis et la signature ou déclaration de reconnaissance mutuelle entre Abu Dhabi et Tel Aviv-Jérusalem, le problème, c'est que le pouvoir, si vous voulez, émirien, a reconnu Israël, mais le peuple émirien ne reconnaît pas Israël. Puisque dernièrement, j'ai lu un sondage, c'est 80% des habitants des Émirats arabes unis ne sont pas en faveur de ça. Alors vous regardez le cas iranien, 80% des Iraniens ne reprochent absolument rien à Israël. Ils ne comprennent même pas pourquoi il y a un conflit avec Israël. 20% si. Ceux qui sont au pouvoir en Iran aujourd'hui ont un problème existentiel avec la question israélienne. Parce que l'Iran est une théocratie chiite, Israël c'était l'allié du régime impérial, Israël, pour des raisons, si vous voulez, religieuses, etc., vient en conflit avec la position de la théocratie chiite iranienne et la question palestinienne. Et il y a des enjeux de géopolitique, etc., qui accentuent la chose.
Mais le peuple iranien dans son ensemble n'a rien à reprocher au peuple israélien. Ça a été rappelé, il n'y a aucun conflit militaire entre Iran et Israël. Il n'y a aucun territoire pas de frontières communes. Pour aller de l'Iran à Israël, il y a 1000 kilomètres, aucun échange commercial, aucun enjeu matériel. Israël peut entrer en conflit avec la Turquie sur des gisements gaziers, peut entrer en conflit avec la Syrie sur la question de l'eau, peut entrer en conflit, si vous voulez, avec la Jordanie sur la question de terres arables. Mais avec l'Iran, il n'y a aucun enjeu. Donc ce n'est qu'un enjeu exclusivement idéologique, la conséquence de l'enracinement de la théocratie iranienne sur ses principes fondamentaux. Si ce bouleversement doit avoir lieu, la question ne se poserait même pas. Rappelez-vous que pendant la guerre abominable entre l'Iran et l'Irak, le pays qui fournissait à différents moments stratégiques de la guerre entre l'Iran et l'Irak, des pièces attachées pour l'aviation iranienne exclusivement d'origine américaine, c'est Israël. Ça a donné lieu à l'affaire de l'Iran Gate. À un moment où l'imam Khomeini criait tous les jours « Israël doit disparaître », ça n'a pas empêché ces deux pays-là à s'entendre. L'enjeu aujourd'hui, ce n'est pas Émirats Arabes Unis, ça n'en absolument rien, si vous voulez, sur l'échiquier du Moyen-Orient. D'ailleurs, à mon sens, les Israéliens ont commis une erreur, puisqu'ils ont fragilisé la position de l'Égypte, en enlevant à l'Égypte son rôle prépondérant en tant qu'ambassadeur du monde arabe, un peu exclusif avec Israël. L'Iran, aujourd'hui, aspire à retrouver sa juste place dans le concert des nations. Chose que les Israéliens ne veulent pas non plus, pour d'autres considérations. Les Israéliens connaissent l'importance de l'Iran, savent que l'Iran est une donne fondamentale dans la région, c'est son terreau naturel. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une lutte pour le pouvoir. Israël, aujourd'hui, a peur de l'émergence de l'Iran de demain. Même si c'est un pays qui est laïque, qui est démocratique à l'occidental, etc. Parce qu'Israël perdrait son rôle unique de pion occidental dans la région, allié occidental dans la région, de start-up nation, etc. L'Iran, c'est un pays qui fait l'objet de sanctions internationales depuis 40 ans. Malgré ça, c'est le 10e pays au monde en termes d'articles scientifiques publiés. C'est un pays qui a donné lieu, ces dernières années, aux deux prix Fields, dont la première femme prix Fields. Donc c'est un pays, si vous voulez, d'un point de vue niveau d'éducation, n'a rien à envoyer Israël, voire même au-delà. C'est un pays plus important démographiquement. Donc, en fait, il y a cette lutte non déclarée pour la région qui risque, en fait, de modifier la position unique d'Israël dans le cœur de l'Occident avec un retour de l'Iran, si j'ose dire, ami de l'Occident. Et deuxièmement, si vous voulez, l'autre problème de fond avec Israël, c'est qu'aujourd'hui, Israël est militairement menacé par l'Iran. Cette histoire de dôme d'acier, des généraux israéliens en ont parlé dernièrement, Iron Dome, qui est censé arrêter les missiles. Comment voulez-vous que ce système puisse arrêter 150 missiles que l'Hezbollah peut lancer au départ du sud Liban, ou 40 000 missiles que le Hamas peut lancer au départ de Gaza? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Israël est menacé dans sa stabilité, dans sa protection vis-à-vis de sa population civile, à cause de l'Iran et de ses alliés, sans parler même de la présence iranienne en Syrie. Là aussi, c'est un problème, si vous voulez, parce que, qu'elle en aime ou qu'elle n'aime pas Israël, ce que la réalité doit primer aujourd'hui, ce qui aurait dû primer dans l'esprit des Émiriens, c'est qu'on ne demande pas aux uns aux autres d'aimer Israël. Israël est une réalité. Est une réalité qui existe depuis 7 décennies, qui ne va pas aller ailleurs que là où ce pays est concentré. Donc cette réalité-là doit être actée. Tant que cette réalité-là n'est pas actée, il n'y a aucun moyen, si vous voulez, de s'entendre sur quoi que ce soit, et il n'y a aucun moyen non plus pour l'Iran de pouvoir réintégrer le concert des nations et la communauté des États. Alors on va aborder la question de l'énergie et du nucléaire, et puis après on verra les jeux des alliances dans la région. La question énergétique, on l'a dit, il y a eu cette découverte de puits de pétrole et surtout son utilisation. Avec l'Irak, c'est parmi les premières régions où on a commencé à exploiter le pétrole, la présence de Total notamment dès 1924, et puis les Anglais aussi. Aujourd'hui, l'Iran a un rôle essentiel, notamment alors, dans les gisements pétroliers et gaziers, mais aussi dans la région de transit, puisque de par sa situation, de nombreux oléoducs et gazoducs passent par l'Iran. Oui, effectivement, mais l'Iran joue un rôle important depuis les années 1910, je dirais. Le premier pays de pétrole qui n'est pas loin, c'est autour de Bakou. L'Azerbaïdjan n'existait pas à l'époque exactement, mais c'était aussi jusqu'en 1828, si je ne me trompe pas, ça faisait partie de l'Empire perse. Et
en Azerbaïdjan, donc autour de Bakou, il y a de l'asphalte, il y a de pétrole qui s'exfiltre par des fissures tout à fait naturelles. Et depuis des millénaires, des caravanes ramassent cette matière noire qui faisait même partie de la fabrication de faux grecs, de cet armement de bataille navale de pré-moderne. Donc toute cette région est très, très associée à cela. C'est une région de feu, de culte de feu. En Azerbaïdjan, c'est toujours un peu les flammes qui symbolisent l'État. Plus récemment, c'est la source principale, même si c'est ce qui est parfaitement vrai, la société iranienne a des capacités scientifiques, intellectuelles, des ressources extraordinaires. Il ne reste pas moins que, pour le moment, la ressource principale, ce sont les hydrocarbures, le gaz et le pétrole. C'est aussi le levier principal de cette alliance qui n'est pas encore faite avec la Chine, qui est négociée et qui soulève pas mal de questions, disons. Il y a un véritable débat en Iran sur cette orientation, ce qui est assez encourageant parce que les gens qui sont contre, les gens qui sont pour disent on n'a pas le choix, les gens qui sont contre disent oui, on a le choix et on sait quel est le choix. Donc ça veut dire que au plus haut niveau de l'État, l'orientation occidentale, orientation, ça ne veut pas dire civilisationnelle, ça veut dire pas, ils vont pas s'émettre avec de tatouages sur le dos et des t-shirts troués. C'est l'alliance, c'est-à-dire que se retrouver avec les États-Unis, avec l'Occident, pas par amour, mais par intérêt et par une certaine affinité aussi, n'est pas encore complètement hors des questions pour certains en Iran. Et il ne faut pas oublier non plus que l'Iran et les Qatars partagent des gisements et que les Qatars jouent, si d'un côté il y a ce qu'on appelle, à tort à raison, l'arc chiite qui part de l'Iran jusqu'au port de la Méditerranée en Syrie et en Liban, il y a aussi ces mini-arcs qui passent par les Qatars et qui jouent un rôle complètement différent, y compris à Gaza. Donc on a ces deux canons et Israël travaille avec l'un, avec l'autre, l'Iran aussi. Et je pense vraiment que... je ne sais pas comment ça va se passer, c'est-à-dire ce qui se dessine, mais ce qui arrive n'est pas toujours ce qui se dessine comme ça, c'est que l'État tombe petit à petit sous le contrôle des gardiens de la Révolution. Les anciens centres de pouvoir sont vidés et sont pris par les gardiens de la Révolution. Ça ne veut pas dire que les gardiens de la Révolution, c'est un groupe monolithique. Il y a différents courants de pensée et d'intérêts et des égos et la concurrence entre clans et entre groupes. Mais globalement, c'est un groupe qui a une nomenclature importante, qui a une base populaire, qui a des milices. Ils sont peut-être pas majoritaires, mais on voit comment ils peuvent tenir cette étape et dans très longtemps. Et donc, c'est pour cela que la question de la suite se pose. Je suis tout à fait d'accord que si demain, tout cela est derrière nous, et on déclare l'ouverture d'une ambassade à Tel Aviv, ça ne va pas choquer grand monde en Iran. Et si demain, après-demain, des journalistes d'Israël font de télétrottoirs dans le bazar pour demander... Ça va se passer très bien, ce ne sera pas un lynchage. Voilà. Mais on a quand même, c'est peut-être 20% qui sont très puissants et qui ont des intérêts très ancrés, et qui aujourd'hui tient le volant en Iran. Et c'est ça, en fait, qui trouble un peu le jeu. Alors le nucléaire, c'est un casus belli entre l'Iran et les États-Unis, et puis également le monde occidental. Il y a la face nucléaire civile, la face nucléaire militaire.
Pour l'Iran, cette question du nucléaire, elle est cruciale, enfin pour le gouvernement actuel. Est-ce que c'est vraiment un enjeu crucial? Est-ce que c'est quelque chose qui est manié, mais qui en réalité est secondaire par rapport à leurs objectifs géopolitiques? Comment ils placent ça dans leur réflexion stratégique et dans leur idée de projection de l'Iran dans la région? La question du nucléaire en Iran est une question qui a toujours été victime d'un double regard. C'est que le Pakistan est un pays nucléaire déclaré militairement. C'est un failed state, un État qui ne mérite pas ce titre. L'Inde est un État nucléaire dirigé aujourd'hui par des ultranationalistes anti-musulmans, et l'Inde et le Pakistan ont failli faire la guerre au moins 4 fois et dernièrement arriver peut-être à la menace nucléaire. Sur le conflit sur le Cachemire et le Punjab. En dehors de l'Iran, vous avez d'autres pays qui sont arrivés au seuil du nucléaire, le Brésil, l'Argentine, l'Afrique du Sud, etc. Quel est le problème du nucléaire iranien? Le problème du nucléaire iranien, ce n'est pas les États-Unis, parce que les États-Unis ont vendu à l'Iran une centrale nucléaire, celle de Téhéran, les Français ont vendu leur technologie nucléaire aux Iraniens. Le problème n'est pas les centrales nucléaires. Abu Dhabi a signé pour plusieurs centrales avec KEPCO en Corée du Sud. Le problème du nucléaire iranien, c'est la question israélienne. Parce que tant que vous avez un Iran, on peut comprendre des dirigeants iraniens qui disent que tel État doit disparaître et qu'en plus, de manière occulte, on constate que ce pays-là est parti à la quête du nucléaire pendant 10 ans, on peut s'inquiéter de la chose. Si c'était le régime impérial au pouvoir et que l'Iran avait des centrales nucléaires, voire même la bombe nucléaire, personne n'aurait rien à dire, puisque le problème n'est pas l'arme en tant que telle, mais c'est la personne qui le détient. Et c'est l'usage qu'ils veulent en faire, ou qu'ils pourraient en faire. L'usage que l'autre peut penser que l'Iran va en faire. Alors que les Iraniens, si vous voulez, malgré le côté théocratique du pays, malgré leur côté messianique, qui existe également, qui explique d'ailleurs leur position doctrinale par rapport à Israël, le problème, c'est que c'est quand même des gens rationnels. C'est-à-dire qu'ils savent que le problème avec le nucléaire, ce n'est pas la première bombe, c'est le deuxième bombe en retour. Donc ils savent que la moindre attaque sur Israël, il n'y aurait déjà aucune raison de frapper Israël dans l'absolu, il n'y a aucun enjeu, on l'a vu, à supposer que quelqu'un devait le faire, c'est les bombes en retour qui anéantiraient le pays. Donc les Iraniens n'ont pas envie de voir leur famille, leurs actifs, leurs proches disparaître. Le problème, c'est que l'Iran nucléaire, dans le contexte d'aujourd'hui, va entraîner un changement de pouvoir radical dans la région et va contraindre les autres États à se positionner par rapport à l'arme nucléaire iranienne. Aujourd'hui, il n'y a qu'Israël qui a l'arme nucléaire. Et Israël n'a pas signé le traité de non-prolifération. Israël poursuit sa quête de nucléaire avec plus de 300 ogives nucléaires qui a été déclaré indirectement par Ehud Barak lors d'une interview, sans citer le nom des ogives nucléaires, est un pays nucléaire et qui considère que légitimement ce pays-là peut l'avoir parce que c'est une démocratie, parce que. Sauf que, de la sorte, Israël domine toute la région. Un pays comme l'Iran, qui, encore une fois, est le seul pays qui a toujours été là, aucun autre n'a été là, à part Israël, peut-être il y a 2000 ans, a légitimement le droit d'avoir la bombe. Le problème, c'est que dans le contexte actuel, la communauté internationale ne permettra pas à l'Iran de l'avoir. Donc c'est un investissement à fond perdu, non justifié. Mais de là, moi-même, je vous le dis, je suis iranien et je considère en fait que c'est parfaitement légitime qu'il y ait la bombe nucléaire. Pourquoi l'Iran ne l'aurait pas? Pourquoi c'est la France l'aurait, pas l'Iran? Pourquoi c'est l'Angleterre l'aurait, pas l'Iran? Donc je pense que l'Iran doit l'avoir, par contre dans un contexte et un cadre autre que le cadre que l'on connaît aujourd'hui. Et l'Amérique aujourd'hui, quand l'Amérique regarde l'Iran à travers le prisme israélien. Je dirais même pas le prisme israélien, je dirais le prisme du Likoud en Israël. Regardez, quand sous l'égide des États-Unis, les Émirats arabes unis, épiphénomène, quand même, les Américains reconnaissent Israël et l'inverse, le conseiller de la défense nationale américain, le gendre de Trump, son conseiller spécial également, partent dans un avion affrété El Al au départ de Jérusalem, Tel Aviv, pour l'aéroport est unique, Jérusalem, Tel Aviv, Ben Gurion, pour aller à Abu Dhabi. Aujourd'hui, l'administration américaine a coupé avec 70 ans de politique directe des affaires étrangères américaines qui considéraient que Jérusalem ne sera pas reconnue comme capitale d'Israël tant que la question palestinienne n'est pas réglée. Ils ont déplacé l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem avec Friedman, qui est un idéologue d'extrême droite américain pro-Netanyahou. Ils ont accepté les Américains l'annexion du Golan. Aujourd'hui, avec le plan soi-disant pour la paix de Jared Kushner, ils acceptent de facto l'annexion
de toute la partie utile de la Cisjordanie. Une telle attitude sur la question palestinienne ne s'était jamais rencontrée aux États-Unis depuis la création de l'État d'Israël. Donc cette situation-là aujourd'hui démontre une réalité que les Iraniens doivent reconnaître qu'aujourd'hui le chemin vers Washington, le chemin vers Paris, le chemin vers Londres passe par Jérusalem. Et donc cette démarche qui relève davantage du pragmatisme de la réelle politique, les Iraniens aujourd'hui, parce qu'ils sont également bloqués dans leur propre carcan idéologique qui pour eux justifie leur légitimité historique sur place, les empêche de faire le saut de la foi. Et tant qu'ils ne le font pas, tant qu'ils ne le feront pas, aujourd'hui, c'est-à-dire une sorte d'entente avec Israël, il ne s'agit pas de reconnaître Israël, il ne s'agit pas d'envoyer une ambassade, il s'agit juste de baisser le ton sur israélienne, c'est juste d'oublier le mot Israël de leur jargon politique international. Tant qu'ils n'ont pas fait ça, l'Iran sera ostracisé par la communauté internationale pour des raisons historiques que l'on connaît qui datent de la Shoah et la position israélienne et juive dans la communauté et l'esprit occidental. Il ne faut pas oublier que les États-Unis, en alliance fondamentale avec l'Arabie saoudite depuis 1945, que dans cette configuration, malgré le fait que pendant de longues années, sous le Shah, il y avait des relations très proches entre les États-Unis et l'Iran, la position américaine est très claire, et ce qui se passait en 1979 n'est pas oublié aux États-Unis. Et j'ai l'impression parfois que, à la fois des pays comme l'Arabie saoudite et certains cercles stratégiques aux États-Unis utilisent Israël comme paravent. Ils ont leurs propres intérêts, leurs propres contagieux avec l'Iran et leurs propres stratégies. Et ils essayent de laisser Israël en première ligne. Mais le problème, je dirais que la politique américaine, et je ne parle pas uniquement de l'administration Trump, même sous Obama, même pendant la négociation entre les Américains et les groupes les 5+1 et l'Iran, il y avait aux États-Unis une opposition américano-américaine. Il y a des gens qui se méfient foncièrement de l'Iran comme ils se méfiaient avant des Russes, des Soviétiques, des communistes, etc., sans même mentionner la question d'Israël qui se rajoute. Je suis tout à fait d'accord qu'Israël a un point, que le point est important, mais je n'irai pas jusque dire que c'est, comme disaient les Américains, c'est la queue qui fait bouger le chien. C'est parfois les chiens qui est très content qu'on sache que ce n'est pas lui, c'est son queue, c'est sa queue. Alors dans les minutes qui nous restent, je voudrais aborder la question de l'islamisme et de la place que peut avoir l'Iran dans la rénovation du monde musulman. Aujourd'hui, l'islam dans le monde est essentiellement tenu par les Saoudiens à travers le wahhabisme. Est-ce que l'Iran, par le chiisme et par ses penseurs également de l'islam, peut jouer un rôle dans la rénovation de la pensée musulmane et donc être aussi une solution aux problèmes que l'on a en Europe, au Moyen-Orient, avec l'islamisme et avec les événements qu'on a à l'État islamique et autres? Moi, je le pense profondément. D'ailleurs, l'opposition entre l'Iran et l'Arabie saoudite, c'est justement sur la domination, entre guillemets, du monde musulman, qui va demain être la personne qui va déterminer le chemin à parcourir. L'Arabie saoudite, ça compte pour les Américains, mais moins par rapport à la Deuxième Guerre mondiale, l'accord de Quincy, Roosevelt et Ibn Saoud. Pourquoi? Parce que l'Amérique, aujourd'hui, est devenue le principal pays producteur de pétrole au monde, devant les Saoudiens. Donc, il n'y a plus de dépendance énergétique par rapport à l'Arabie saoudite. Il faut savoir qu'aujourd'hui, malgré les restrictions que je reconnais bien volontiers, qui existent en Iran, qui existent dans la religion chiite, etc., il n'y a pas comme une mesure entre l'ouverture d'esprit de la religion chiite, dans laquelle vous avez des éléments de la pensée zoroastrienne, que le clergé iranien, après la défaite de Qadessia en 632-37, y a introduit, vous avez quand même une religion moderne. Une religion, si vous voulez, on a parlé du rôle de la femme en Iran, on a parlé des libertés, on a parlé de l'économie. La tragédie de l'islam sunnite, surtout l'islam dans sa version wahhabite saoudienne, c'est que cet islam-là, c'est l'islam qui a connu sa renaissance avant son Moyen-Âge. Et aujourd'hui, l'islam sunnite vit son Moyen-Âge. Il suffit de regarder ce qu'on fait les partisans de Daesh, de l'État islamique, de je ne sais qui, Al-Qaïda, en Syrie, en vendant les femmes sur la place publique, en décapitant les gens. Voyons ce qu'ils ont fait en Irak pour se rendre compte
qu'il n'y a pas comme une mesure, si vous voulez, entre l'islam que l'Iran personnifie et incarne et l'islam de Daesh et du wahhabisme. Le problème aujourd'hui, c'est que le wahhabisme aujourd'hui a l'avantage de la diplomatie du portefeuille de l'Arabie Saoudite, qui utilise l'argent pour faire avancer, si vous voulez, sa thèse rétrograde de l'islam. Regardez le Pakistan le lendemain de l'indépendance du Pakistan. Le Jinnah était l'homme le plus élégant de l'Asie du Sud, avec ses costumes sur mesure de Savile Row. Ils ont réussi à transformer le Pakistan de l'islam modéré, des mausolées, des soufis, en le pays que l'on connaît aujourd'hui. Jusqu'à l'Indonésie, jusqu'à Mindanao, aux Philippines et en Thaïlande du Sud. Donc, il faut enlever, si vous voulez, à l'islam wahhabite, justement ce monopole que l'islam wahhabite exerce sur les deux lieux saints de l'islam, qui appartiennent à toute la communauté musulmane internationale, pas qu'aux Saoudiens, et en tout cas, surtout pas aux wahhabites, qui sont même minoritaires chez les Saoudiens eux-mêmes, puisque vous avez des chiites en Arabie Saoudite, vous avez des non-wahhabites en Arabie Saoudite. Et deuxièmement, permettre à cette version modérée de l'islam, qui est l'islam qui connaît un clergé. Donc le changement peut venir par le haut. Le wahhabisme est figé dans le temps et dans l'espace. Parce qu'en fait, on dit qu'il y a le Coran et les traditions attribuées au prophète. C'est tout. Donc il n'y a pas la possibilité d'avancer, d'évoluer avec le temps, avec les technologies, avec l'avancée du genre humain. L'islam chiite est une religion qui permet l'adaptation à l'évolution humaine. Mais est-ce que les sunnites qui sont en majorité dans l'islam peuvent être à l'écoute des idées qui viennent de chiites? Je pense qu'exceptionnellement, oui, étonnamment. Déjà pourquoi? Parce que vous avez beaucoup d'écoles, l'école principale, la plus moderne de l'islam sunnite, qui s'appelle l'école Hanefite, vient d'un Iranien, Abu Hanaf est un Iranien par exemple. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans l'esprit des musulmans, dans l'esprit de la rue musulmane, de la rue arabe, qui souffre, si vous voulez, de la frustration, de l'incompétence de leurs dirigeants, vous avez l'image de l'Iran qui, étonnamment, est excellente. À tort ou à raison, l'Iran, dans l'esprit de la rue arabe, c'est le pays qui a dit non à l'Occident. C'est le pays qui n'est pas dirigé par des larbins. C'est le pays qui a tenu tête à l'Amérique. Donc le prestige de l'Iran aujourd'hui voit s'attacher à sa dimension de puissance d'avenir, le prestige de l'Iran. Même quand les Arabes regardent, si vous voulez, avec Israël, ils regardent la guerre d'indépendance d'Israël, la guerre de 67, la guerre de Kippour, etc., ils ne voient que des défaites. La seule guerre qu'Israël n'a pas gagnée, je n'ai pas dit que l'Israël a perdu, c'est la guerre contre les Hezbollah en 2006, où les Israéliens n'étaient pas capables d'arrêter le lancement des missiles, 100 missiles tous les jours, car ils ont laissé plus de centaines de morts dans leur armée. C'est-à-dire que la victoire, entre guillemets, ou la non-défaite d'une armée arabe, c'est le Hezbollah et le chiisme. Donc le prestige de l'Iran, en tant que puissance capable de dire non à l'Occident, c'est attacher le prestige du chiisme. Et le moment, le time to market, pour que l'islam chiite puisse faire quelque chose pour enlever le fanatisme de l'islam wahhabite en particulier, qui est aujourd'hui l'islam qui avance, puisque c'est l'islam qui bénéficie de l'argent saoudien et l'argent qatari pour d'autres écoles musulmanes, eh bien, l'islam chiite peut changer. Parce que la chance de l'islam chiite, c'est qu'il y a un clergé et le changement peut venir par le haut. Un grand ayatollah peut dire c'est autorisé. Alors que l'islam sunnite, c'est pas possible. Quel est le rapport des chiites à l'égard du Coran dans l'interprétation du texte? Est-ce que c'est un texte qui est figé et donc on prend tel quel, ou est-ce qu'il peut y avoir des interprétations, adaptations? C'est le même texte qu'est les sunnites, c'est le même texte qu'est les sunnites, sauf que comme je vous l'ai expliqué, la chance du chiisme, c'est qu'il y a un clergé, donc le clergé peut être source créatrice du droit, et qu'en plus vous avez les 12 imams de l'islam chiite d'Odessemane qui sont là et qui ont eux aussi fait des contributions à l'évolution du droit musulman. Donc vous avez effectivement le Coran, mais vous avez également le livre sacré d'Ali, premier gendre du prophète. Vous avez également les livres sacrés, les enseignements des autres imams chiites, dont en particulier le sixième qui a réformé toute la jurisprudence. Donc les textes auxquels les chiites peuvent se référer sont autrement plus nombreux, plus importants que les textes auxquels les sunnites peuvent se référer, qui globalement se limitent au Coran, à la tradition du prophète. Pourquoi? Ça n'a pas toujours été comme ça. Parce que vous avez la notion de ijtihad, c'est-à-dire en arabe, c'est la notion de la réforme, de l'évolution, de la réflexion, qui s'est arrêtée dans le monde arabe depuis des siècles. Alors que dans la réflexion
les grands ayatollahs iraniens, ça a continué. Alors on va terminer par une note culturelle, parce qu'à Conflit, on s'intéresse aussi au rapport entre art et géopolitique. On a vu récemment des films iraniens qui ont eu d'ailleurs un grand succès en France. Je pense notamment à Une séparation. Donc ça a donné une vision peut-être plus réelle aussi de la société iranienne telle qu'elle est aujourd'hui. Pour un Français qui voudrait connaître la culture iranienne aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez conseiller comme film, comme auteur, alors traduit en français si c'est le cas, ou comme musicien qui est un petit peu symbolique, révélateur de l'état de la culture populaire iranienne aujourd'hui? Je dirais que le film que vous avez cité est parfait. Pourquoi? Parce qu'à travers ces films, les spectateurs voient que l'Iran, c'est un pays qui a des institutions. Et les femmes ont des droits. On peut divorcer. Et il y a une procédure, il y a un système, il y a des décisions de justice qui sont rendues. Et puis on voit les gens dans leurs difficultés quotidiennes. On arrive à s'identifier, si vous voulez, avec le peuple iranien dans sa détresse au quotidien, dans ses joies, dans ses souffrances. C'est un excellent moyen d'y aller. L'art iranien. Pourquoi? Parce qu'à travers le cinéma et à travers l'art, les Iraniens, qui sont force de création, essayent de contourner la censure que l'État leur impose. Donc, ils sont obligés de faire preuve d'esprit de création pour pouvoir contourner à travers les interdits du pouvoir. Parce que le pouvoir iranien, c'est aussi beaucoup d'interdits. Eh bien, le film, vous avez été excellent. Les livres, il y en a énormément sur lesquels on peut s'interroger. Mais je pense qu'il faut toujours se dire que l'Iran, c'est un pays qui est devenu un empire, non pas à cause de sa puissance militaire. Les Ottomans étaient un empire militaire. L'empire moghol des Indes, c'est un empire militaire. L'Iran, c'est un empire culturel. C'était la poésie de Saadi, de Rumi, de Omar Khayyam, de Hafez qui a fait que l'Iran est devenu un empire, parce que c'est la beauté civilisationnelle et culturelle de ce pays qui en assure le rayonnement, non pas la force de ses armées. Bien, merci à vous deux d'avoir évoqué l'Iran et sa place dans le monde et dans la région. Pour nous soutenir, vous pouvez vous abonner à la revue Conflit depuis notre site internet. Je vous rappelle également que Conflit se retrouve en kiosque. Et puis, vous pouvez aussi retrouver Causeur en kiosque. Et vous avez dans le bas de l'émission l'ensemble des ouvrages publiés par nos invités, notamment Maître Ardavan Namir Aslani, qui a publié plusieurs ouvrages consacrés à la géopolitique et à cette région du Moyen-Orient. Et donc, vous avez toutes les références en bas de la vidéo, ainsi que sur le site internet de Conflit. Merci pour votre fidélité et à bientôt.